Salut à tous, de retour sur la chaîne et sur le blog. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez pour sortir, aller un petit peu dans la verte. Ici en Belgique, dans mon coin en tout cas, les températures remontent, ça fait du bien, on peut de nouveau aller se balader, etc. Alors demain, ce week-end, on a prévu d'aller marcher avec un autre youtubeur que vous connaissez, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est Boomiful. Alors, Boomiful, ben voilà, je ne vais pas le présenter. Hein. Il retravaille des Opinel, il est acharné par les coulées, passionné par les coulées. Il fait que ça, suivre des coulées tout le temps, c'est affolant. Ses vidéos, c'est un peu aussi un nouveau concept, hein, puisque c'est un peu le Blair Witch Project du bushcraft. Hein, quand il approche d'un bosquet en nous disant qu'il y a probablement un sanglier qui va surgir au moment où il passe. Voilà, toujours des vidéos pleines d'émotions. Enfin bref, voilà. Et donc, ce sera un plaisir de le rencontrer. On a prévu une petite marche. On va manger un bout ensemble. Il va me faire découvrir un petit peu son coin. C'est un coin de Belgique dans lequel je ne vais jamais marcher. Donc voilà, ce sera une belle découverte. Alors, vu que je vais lui rendre visite, ben, je me suis dit, autant lui faire un cadeau. Alors, quelque chose que j'aurais pas pu lui expédier par la poste. Vous allez comprendre pourquoi après, parce qu'il faut savoir que le Boomiful il s'est mis en tête de forger un couteau, très beau projet d'ailleurs, mais pour ça il lui faut de la matière première, et voilà, il parlait dernièrement et effectivement il a tout à fait compris qu'un bon moyen d'obtenir de l'acier dur pour forger un couteau, c'est dans les lames de suspension, les lames d'amortisseur. Alors moi j'ai une remorque qui fonctionne avec ce type de suspension, donc voilà, j'ai quelques filières et je sais où m'adresser pour en avoir pas cher, et notamment voilà, il y a un endroit où je peux aller et le payer au prix de la matière, le même prix que le marchand de vieux fer. Donc je suis passé aujourd'hui, je suis allé chercher 15 kilos. Comme ça, moi j'en ai un petit peu pour moi aussi, 15 kilos de lames de suspension, et je vais lui en apporter une ou deux pour demain. J'espère que ça lui fera plaisir, au moins avec ça, il aura de la matière, il pourra commencer à travailler. C'est un acier très dur, de bonne qualité, et j'espère qu'il pourra nous faire à nouveau quelque chose de très bien. Alors si vous avez une minute, je vais vous montrer ce que je lui ai préparé. Et voilà les deux morceaux que je réserve à Boomiful, deux beaux morceaux d'acier dur plat. À partir de là, je pense qu'il aura de quoi faire pour nous faire un beau couteau et un beau travail d'artisan. Alors ce type de lame, moi j'aime beaucoup ce type d'amortisseur, puisque dans une optique survivaliste, les amortisseurs à lame sont plus faciles à réparer. Même dans les pays en voie de développement, vous trouverez toujours ou presque un artisan capable de vous réparer une suspension à lame avec très peu de matériel, et c'est pourquoi j'aime beaucoup ce type de suspension. Pour ceux qui souhaitent forger un couteau, les forgerons amateurs, et je vois que ça se développe régulièrement sur internet, je trouve que ce sont des projets vraiment très bien, qu'il faut encourager. C'est un travail qui prend du temps, mais dans le fond c'est à la portée de tout le monde. Une forge à domicile peut être réalisée avec peu de choses. Les informations sont disponibles sur internet, et donc reste la problématique de la matière première, de l'acier. Alors pour trouver ce type de lame, qui en réalité sont des matières premières, des instruments de base vraiment intéressants, puisque l'acier utilisé est un acier très dur. Alors les spécialistes choisiront des aciers non trempés, etc. Là c'est peut-être plus complexe à trouver, mais pour un travail sans rentrer dans les détails, ce type de lame se trouve facilement. Alors pour trouver ça, vous pouvez vous adresser premièrement au casse auto, donc vous vous renseignez une casse auto de votre région, vous posez la question. Le problème dans les casse auto, c'est que souvent ils ne gardent que des lames qu'ils comptent éventuellement revendre, et donc c'est souvent des paires de kits de lames complets qui sont toujours assemblés et qui peuvent être fixés sur des véhicules. Alors même si c'est d'occasion, dans la mesure où le kit est complet et peut être utilisé, les prix sont souvent beaucoup plus importants. Par exemple, dans une casse auto pas très loin de chez moi,
On me proposait une paire de suspensions à lames pour Toyota Hilux d'occasion à 150 euros la paire. Alors effectivement, vous avez plusieurs lames dans chacune des suspensions, de différentes épaisseurs, de différentes longueurs, mais ça reste onéreux pour une matière première. Par contre, la deuxième solution, et c'est celle-là que j'ai favorisée, c'est que vous avez des fabricants, des réparateurs spécialisé entre autres dans les amortisseurs et les suspensions à lames. Alors il faut savoir que ce type de suspension, on en trouve sur les 4x4, mais aussi sur les camionnettes, aussi sur les remorques de tracteurs et dans le milieu de l'agriculture, etc. Il y a beaucoup de véhicules qui utilisent ce type de suspension. Et donc, si vous avez la chance de pouvoir vivre dans une région, enfin la chance, ça c'est vous qui verrez, assez rurale, vous avez la possibilité peut-être de trouver un réparateur spécialisé dans ce type de suspension. Et eux, en réalité, c'est bien différent puisqu'ils font les réparations, mais ils se retrouvent parfois avec des jeux de lames excédentaires, des vieilles lames dont ils ne font rien. Et ils revendent tout ça au kilo aux marchands de vieux fer. Alors il faut savoir que à ce niveau-là, le prix, c'est, il m'a dit, 8 francs du kilo. Et donc, au final, pour à peu près 15 kilos, comme j'ai pris, eh bien, vous arrivez à un montant de 3 euros, 3 euros 50 là, pour 15 kilos. Et donc, ça vous donne une petite idée des économies et de l'intérêt que vous avez à aller voir dans ce type d'établissement pour trouver des pièces de suspension à lame. Je répète, un acier très dur qui est déjà plat et qui est une base presque idéale pour commencer la réalisation d'un couteau d'une manière artisanale. Voilà pour la petite. Le petit truc pour ceux qui l'ignoraient. Donc ça m'a permis de trouver un petit cadeau pour Bumifull. Cadeau que j'aurais eu du mal à lui expédier puisque j'aurais payé plus cher en envoi que pour l'objet en question, mais j'aurai l'occasion de lui remettre en main propre demain. Donc j'espère que ça lui fera plaisir et j'espère qu'il mettra son projet à terme parce que c'est pas toujours facile non plus de réaliser un couteau de A à Z. En tout cas, je suivrai ça avec beaucoup d'intérêt et j'espère qu'il nous fera encore rêver comme il le fait depuis bien longtemps avec sa chaîne. Et voilà, on est dimanche, je vais aller rejoindre mon hôte dans sa contrée. Ils avaient annoncé du temps pluvieux, mais là pour le moment, tous les signaux sont au vert pour une superbe journée. On verra bien. Je tarde pas parce que j'ai dit que j'allais arriver assez tôt et j'ai de la route avant d'arriver. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Ciao! Glasses on out the door. I'm gonna hit this city before I leave. Brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on my toes, trying on all our clothes. De retour sur le camp avec Boumifull qui est là. Salut Boumifull. Voilà, très sympa, chouette rencontre. Voilà, on a discuté un petit peu, on a marché, et puis en fin de compte, on a décidé de se poser. Finalement, faut savoir aussi profiter un petit peu. On n'est pas là pour marcher et faire une course toute la journée. Donc, on s'est installé. Comme vous voyez, on est plutôt bien installé. Il y a le petit pain aux noisettes pour les banniques qui est en train de monter tout doucement, les saucisses qui cuisent, l'eau qui va bouillir. Et la Bumifull lui prépare du bois, sûrement pour continuer le feu. Voilà, chouette journée, chouette découverte. Une région très agréable. Je peux dire dans la région qu'on se trouve? Ça te gêne pas? Ok, donc on est du côté de d'Arlon, plus ou moins. Voilà. Donc c'est vraiment une belle forêt, des beaux bois. Beaucoup de gibier dans la forêt où Bumifull vient marcher. Donc en fait, dans ses vidéos, quand il parle de gibier, de sanglier, etc., je confirme effectivement, il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup de traces assez abondants. Donc voilà, chouette coin, belle rencontre. On va manger là et puis je vous retrouverai peut-être après pour d'autres aventures. Allez, ciao. Elles vont être bonnes là. Ouais, je pense qu'elles sont prêtes. Bah écoute, moi la fourche je m'en sers pas, j'ai l'enclume aussi. Et si tu veux, je te la donne. Si, c'est génial ça. Donc j'ai une vieille forge.
J'ai l'enclume qui va avec. Donc voilà, énormément de chance sur ce coup-là. Ah ouais, ouais, c'est vraiment bien ça. C'est parti. Donc là, on passe au Luxembourg. Hein. Ouais. La frontière, c'est vachement ici en fait. Ok. Regarde ici. C'est eux. Ouais. Ah ouais, un peu des empreintes. Donc, tu vois déjà là. Ouais, c'est une belle ça. Ici aussi il y a des sacrés morceaux. Ah, et là on en voit une bien, on peut dire que là t'as la trace. Et ici t'as l'ergot qui rentre dans le, ouais, ouais, dans le sol. Ouais. Ah ouais, je vois. Cette espèce de chambre à air, enfin c'est un machin noir, vous connaissez New York, une vieille chambre à air. Et voilà, donc belle petite journée. Qu'est-ce que tu en as pensé, Vaz? Très bien, merci pour la visite, que je connaissais pas. Vraiment un beau terrain de jeu que tu as là, fort vallonné. C'est vrai qu'on a pas mal mangé, mais on a aussi beaucoup marché. Par rapport au marché adepte que je fais habituellement, ben, franchement aujourd'hui, j'ai pas démérité. On a beaucoup crapahuté un petit peu dans le coin. Donc merci pour l'invitation, c'est très chouette. Au plaisir de refaire ça peut-être dans mon coin cette fois-ci. Et voilà, très très bonne journée, merci à toi. Pas de rien, avec plaisir, moi ça m'a plu aussi, on s'est vraiment bien amusé. On a pas mal marché, comme il l'a dit, on a vraiment bien mangé. Alors, franchement, je suis rempli. Et voilà, donc on va se mettre en route vers la voiture. Donc on va se quitter là-dessus, c'était simplement une petite vidéo pour partager ça avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao. Ciao. De rien, salut.